Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Cette vidéo, je la fais par rapport aux personnes qui sont venues me voir et me suis rendu compte que leur business manager, c'est-à-dire que leur compte de publicité n'était pas bien structuré. Donc, je me dis que la majeure partie des personnes sont dans ce cas-là. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement le business manager, il sert à quoi? Et la bonne structure d'un business manager, qu'est-ce que c'est et comment le configurer? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Ismaël Soumaro. Ça fait plus de 2 ans maintenant que j'exerce dans l'e-commerce, dans la vente en ligne de manière générale en Afrique. Donc, dans mes vidéos, je partage mon expérience et aussi mes échecs. Donc, si vous aimez tout ce qui est comme web entrepreneuriat, vous aimez la vente en ligne et tout ça, abonnez-vous massivement et partagez la vidéo. Donc, on va y aller assez rapidement pour la conversation pour la vidéo. Comme je l'ai dit au départ, il y a plein de personnes qui viennent me voir. Quand je contrôle leur commerce à leur compte, je me rends compte que leur compte n'est pas trop bien configuré. Ils ne savent pas réellement le business manager, ce que c'est et ce que ça peut réellement commencer à les apporter. Si on veut faire simple, Facebook, d'après sa définition, c'est ce qui sert à centraliser toutes les informations de votre entreprise. Généralement, c'est ce qu'on appelle le business manager. Mais pour faire simple, moi, je vais vous dire, un business manager, voyez ça comme le Facebook de votre entreprise. C'est-à-dire, vous avez votre compte personnel. Maintenant, Facebook n'aime pas trop qu'on utilise son compte personnel, c'est-à-dire que son compte, son nom pour faire la publicité. Ce qui est préconisé généralement, c'est d'utiliser un business manager sur lequel vous allez associer des comptes pour faire de la publicité. Parce que quand vous utilisez vos comptes et qu'on bloque, là, il y a un gros souci. Donc, faites extrêmement attention. Donc, je vous dis, le business manager, qu'est-ce que c'est? Comment le configurer réellement? Donc, on va aller au business manager. Considérons, vous avez votre compte personnel. Moi, dans mon cas, moi, mon compte, par exemple, c'est là comme ça. J'appelle comment on appelle ça? Ismail. Voilà, c'est mon compte Facebook. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes, ils ne se rendent pas compte que Facebook vous donne droit à deux business managers. Beaucoup, ils ont un seul par défaut. Ils se contentent de cela. Vous devez avoir un, deux, ou comment ça, business manager, parce que souvent, il y a beaucoup de litiges avec Facebook. Donc, faites extrêmement attention. D'abord, quand vous avez vos comptes personnels là, comme ça, vous faites comme ça, vous avez droit, dans la structure, vous avez droit à. Ici, on est là comme ça. Vous avez droit à deux business managers. Maintenant, le business manager, c'est comme le business de votre, le Facebook de votre entreprise. C'est-à-dire, si vous avez le nom de votre boutique, qu'on appelle par exemple Market, vous créez le business manager de la boutique ici. Vous allez appeler ça Market. Vous pouvez créer un deuxième business manager que vous allez appeler ici aussi. Market. Il n'y a pas de problème, ça peut garder les deux infos. Donc, on a maintenant deux business managers. Quand vous créez votre business manager, qu'est-ce qui se passe réellement? Vous avez droit à un compte publicitaire par défaut. C'est-à-dire, un compte publicitaire, c'est avec ce compte-là, on fait la publicité. OK. Donc, on va descendre ici. On va créer un compte publicitaire ici. Le business manager, celui-là aussi, a droit à un compte publicitaire chacun. Avant, Facebook donnait droit à jusqu'à 5 comptes, mais maintenant ils ont restreint. Vous avez droit par défaut à 2 comptes. Donc, dès que vous faites votre page et que vous faites un peu de temps, créez vos business managers simultanément. Vous créez les deux, vous gardez, on ne sait jamais. Après ça, vous créez votre compte publicitaire. On va appeler compte publicitaire, par exemple, compte pub 1, par exemple. Ou bien compte pub, par exemple, comme ça, où est-ce que je veux dire? On a les différents business qui sont là, on a un compte qui est associé. Quand vous n'avez pas dépensé d'argent, vous avez droit à un compte. Quand vous allez commencer à dépenser de l'argent, Facebook va débloquer. Moi, j'ai des comptes, j'ai commencé à dépenser, il m'a débloqué jusqu'à 3 comptes. Il va vous débloquer 3 comptes, c'est-à-dire ici, vous aurez droit à. Donc, dès qu'il vous débloque, les comptes, vous allez créer automatiquement les comptes, on appelle ça les 3, c'est-à-dire ici on a un compte pub, ici aussi on a un compte pub. Où est-ce que je veux dire? Bon, alors 2, ici 3, où est-ce que je veux dire? Donc, le premier business manager, vous aurez droit à 3 comptes. Ici aussi, quand vous dépensez ici, essayez aussi souvent de dépenser aussi avec l'autre business manager. Quand vous dépensez, Facebook va vous débloquer encore 3 autres comptes, c'est-à-dire il va faire comme ça, et puis ici, il va faire comme ça. Où est-ce que je veux dire? Donc, vous aurez droit
par défaut à comme ça, compte pub comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a quoi? Vous avez votre compte personnel, vous avez droit à deux business managers et vous avez trois comptes personnels, trois comptes personnels par business manager. Ça vous fait six comptes. Ça, c'est très bon. Pourquoi? Parce que c'est un compte que vous utilisez quand vous faites la publicité. Vous pouvez avoir un problème avec Facebook. Dès que Facebook peut-être vous bloque votre compte, vous passez au second compte et vous utilisez, vous mettez l'autre compte en examen pour voir la raison pour laquelle vous avez été bloqué. Facebook peut vous débloquer ou pas, mais ça vous, ne vous arrête pas. Vous continuez toujours à faire de la publicité. Ça, c'est extrêmement important. Même si on vous bloque le deuxième compte, vous continuez à faire toujours de la publicité. S'ils savaient que Facebook vous fracasse, c'est-à-dire que vous bloquez ce compte-là, le business manager en question, vous passez sur votre business manager et vous continuez à faire de la publicité. Donc, c'est comme ça que vous devez prendre vos précautions. Et puis, en plus de cela, vous avez droit à rajouter une personne en administrateur, c'est-à-dire quelqu'un auquel vous avez confiance réellement. Vous l'ajoutez en administrateur. Par exemple, moi, je peux mettre, peut-être, s'il y a un collaborateur ou bien un frère, je mets, ça va peut-être Franck, je peux l'ajouter ici. Comme ça, le jour où moi-même, parce que si vous, on vous bloque, tout ça est bloqué. Il y a problème. Donc, ce qui veut dire que si vous ajoutez quelqu'un sur le business manager, si vous, on vous bloque, lui, il peut toujours récupérer le business pour continuer à travailler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là un peu la structure d'un business manager. Maintenant, vous voyez ici, c'est juste un compte ici. Généralement, un seul compte on utilise pour faire, qu'on appelle ça, des campagnes, qu'on appelle ça des campagnes publicitaires. Un seul compte qu'on utilise pour faire des campagnes. Voyez ce que je veux dire? Donc, la structure, elle est comme ça. Donc, dès que vous commencez, vous devez prendre vos précautions en fonction de ça. Trois comptes pub, deux business managers, une personne rattachée à un business manager. Vous pouvez rattacher aussi, comme ça, une personne au business manager en question, rattacher aussi une autre personne au business manager. Ce qui va faire que même si on vous bloque, vous avez toujours. Vous pouvez. Parce que souvent, on peut bloquer même vous pouvez vous bloquer vous-même. Vous avez comme ça un problème. Maintenant, s'il y a une personne qui est là, qui est toujours connectée en question, lui peut toujours récupérer. Donc, faites extrêmement attention. Ça, c'est la structuration d'un business manager. Donc, je tenais réellement à partager ça avec vous, réellement, pour que vous compreniez un peu le bien fondé de faire ça au préalable pour éviter. Parce que Facebook, c'est un truc où on n'est pas très serein là-dessus. Même nous-mêmes, on nous bloque souvent. Donc, c'est des précautions qu'on prend pour ne pas que vos business s'arrêtent d'un coup. Alors, on va aller maintenant sur mon écran. Je vais vous montrer comment on le crée et vous montrer quelques trucs pour pouvoir le configurer assez aisément. D'abord, ici, je vais vous montrer comment créer un business manager. Connectez-vous d'abord sur Facebook. Maintenant, vous venez sur Google ici, vous tapez business manager comme ça. Le premier lien qui a sorti business manager overview, vous cliquez là-dessus. Voilà. Si vous n'avez pas de business manager, vous allez arriver sur ce compte-là. Vous allez créer un compte. Vous tapez ici créer. Vous mettez le nom de votre entreprise, c'est important. Vous mettez le nom de l'entreprise en question. Comme dirons comme ça. Maintenant, vous mettez une adresse qu'on appelle ça email, gmail.com, comme ça. Ok, on met. Voilà, le nom n'est pas valide. On peut utiliser. Vous testez plusieurs noms, voilà. Souvent les noms ne sont pas valides. Maintenant, vous finissez, vous créez votre business manager, voilà. On va attendre à ce que on crée ça rapidement. Ok, voilà. La création a été faite. On vient directement ici sur cette page-là. Vous pouvez comment mettre ça, venir ici. Vous cliquez sur paramètres d'entreprise là. Vous allez cliquer là. Vous allez avoir les différentes comment mettre ça, les différentes informations qui sont sur le business manager en question. Voilà ce que je veux dire. Ok. Voilà, ici, comme vous pouvez le voir, on a différentes choses qui sont là que vous pouvez configurer en même temps là-dessus. Vous savez, ici, vous avez personne. Les personnes, par exemple, il y a la première personne qui a créé le business manager en question, mais vous pouvez ajouter une autre personne dessus. C'est-à-dire, vous lui donnez un accès
administrateur, vous cliquez ici, vous cliquez là. Ça fait que si vous avez par exemple comme ça des soucis, vous pouvez automatiquement, la personne peut automatiquement commencer à récupérer. Après, si vous voyez par exemple les pages, voilà, ici, les pages Facebook qui sont vos pages Facebook, vous pouvez ajouter directement vos pages Facebook ici. Ajouter une page, vous tapez le nom de la page, n'importe quoi, vous pouvez taper le nom de la page, voilà, et vous venez associer la page ici, et automatiquement, la page sera associée au business manager. Ça, c'est quelque chose que aussi vous devez faire aussi. Voilà, vous voyez ici, par exemple, on dit compte publicitaire. Voilà, vous devez ajouter des comptes publicitaires. Voilà, vous créez un compte publicitaire, c'est ici. Arrivé là, vous choisissez toujours GMT, Abidjan, dollar américain, vous mettez le compte publicitaire, on va mettre un nom comme ça. Ici, on va mettre un compte publicitaire. Je mets par exemple, vous voyez. Ouais, vous faites ça, vous faites suivant. Voilà, vous mettez My Business là, vous créez le compte publicitaire en question. Vous voyez ce que je veux dire? Vous créez un compte publicitaire, c'est tout. Vous donnez accès, c'est-à-dire aux différents comptes là, vous affectez. Actuellement, vous pouvez ajouter vos informations de paiement, c'est-à-dire vos comptes, vos cartes de crédit ici. Les cartes Visa pour ajouter ça ici, les informations de paiement. Vous mettez. Puis par exemple, vous quittez. Vous voyez par exemple, il y a un compte. Donc quand vous créez nouvellement, vous avez droit à un compte. Vous allez voir, quand je vais vouloir créer un deuxième compte publicitaire, par exemple, je vais essayer ici pour voir souvent ça passe. Souvent ça passe pas. Voilà, vous avez. On a atteint la limite, c'est parce que sur le compte, par exemple, j'ai jamais dépensé de l'argent. Quand j'ai commencé à dépenser de l'argent, ça va débloquer les autres comptes là. Quand vous faites de créer vos comptes publicitaires, vous pouvez ajouter votre compte Instagram, c'est pareil. Vous pouvez ajouter ici, vous associez vos comptes Instagram de la page en question. Si vous avez un WhatsApp, c'est pareil. Maintenant, après sa source de données, un jour on a parlé de pixels. Si vous avez votre pixel, c'est pareil. Vous ajoutez votre pixel ici, vous voyez. Vous pouvez aller dans ma vidéo que j'ai déjà fait sur les pixels. C'est le même procédé. Vous ajoutez automatiquement le pixel ici. Au fait, le business manager, ça sert à centraliser toutes les informations de votre entreprise. Donc, tout ce qui concerne l'entreprise, vous devez le mettre comme ça ici. Voilà. Maintenant, là, vous mettez votre moyen de paiement, c'est-à-dire la carte Visa que vous utilisez. Vous mettez ça ici. Maintenant, centre de sécurité, c'est aussi important. Voilà. Vous pouvez faire ce qu'on appelle l'authentification à deux facteurs. Voilà. L'authentification à deux facteurs. Vous mettez administrateur seulement. Voilà. Authentification à deux facteurs. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement important aussi. Vous pouvez faire. En plus de ça, information sur l'entreprise. Ça, c'est ici, vous voyez, nombre maximum de comptes publicitaires. Vous avez vu, c'est 1. Ça peut passer à 2, à 3, machin, qu'on soit, mais ça. Quand vous avez commencé à dépenser de l'argent, ça va passer. Donc ici, vous mettez le nom officiel de l'entreprise, c'est-à-dire que le nom qui est sur votre la pièce. Si vous avez voilà, si l'entreprise est créée, le nom qui est là-bas, c'est ce que vous mettez ici, le nom officiel là. Vous mettez l'adresse, le téléphone, le site web, tout ça, l'adresse fiscale. Si vous avez toutes les informations, ça permet de vérifier l'entreprise, ça rend plus crédible et puis même ça fait que vous avez moins de soucis avec Facebook. Ça, c'est les choses aussi qui sont importantes. Bon, c'est un peu ça. J'ai fait un peu le tour. Je pense, j'ai fait un peu le tour de la question, c'est-à-dire comment la structure, elle est importante, sérieusement. Vous utilisez la structure, ça vous permet de ne pas arrêter simultanément vos comptes, ça vous publicité. Vous avez une bonne structure, vous créez vos business, vous créez vos business managers. Et c'est que avec ça, vous serez encore plus serein pour pouvoir faire vos pubs assez comme ça tranquillement. Ça m'a fait plaisir toujours de partager ça avec vous. N'hésitez pas de liker, de partager massivement la vidéo. On va se dire. Qu'on appelle ça samedi, voilà, pour une autre vidéo encore. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt pour plus de contenu, plus de vidéos. Ciao!